Maïa Mamaniou, on te pleure toujours, boum nyobe. Boum nyobe. Boum nyobe. On y du dépôt des gerbes de fleurs dans quelques instants avec toute la grande famille des nationalistes venus de Yaoundé, de Douala, de la diaspora. On enlève le chapeau s'il vous plaît pour tous ceux qui bien sûr s'approchent. Nous saluons toutes les femmes, seules les femmes peuvent rester avec le chapeau. Et nous demandons à tous ceux qui sont ici de ramasser, ne serait-ce symboliquement, quelque chose par terre, nettoyer aux alentours. Est-ce qu'on peut s'y mettre, s'il vous plaît? Chacun, on se baisse. On se baisse, on ramasse ce qui est comme saleté pour mettre hors de là où ça se trouve. Ces idées que les colons ont voulu éliminer, Oumiobé n'est plus un être humain, il est une idée et nous sommes cette idée qui voulons faire perpétuer et faire prier. Oh. Ceux qui souhaitent s'exprimer, pleurer sur la tombe de Oumiobé, le micro est ouvert pour ceux qui veulent bien sûr. On peut commencer par les femmes, celles qui veulent procéder, témoignage. Nous sommes réunis ici pour commémorer la mort du sacrifice de courage de Oumiobé. Il a été abattu il y a 64 ans par les colons français et les Camerounais à la solde des colons. Voilà. Voilà une cérémonie comme ça. Il n'y a pas assez de gens. Les jeunes Camerounais sont regroupés devant les bars à regarder la Champions League. Alors que nous avons un Cameroun à libérer. Voilà. Donc nous célébrons aujourd'hui la commémoration de sa mort. J'ai envie de dire avant bonjour papa, parce que c'est comme ça que moi je t'appelle. Tu es un exemple. Un père est censé être un exemple pour ses enfants. Et tu es un exemple pour moi. À l'écoute de ton histoire, Je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour que l'œuvre que tu as commencée continue. En tant que femme, ça n'a pas toujours été facile, mais jusqu'ici, nous tenons le coup. Chaque année, nous venons. Nous sommes un peu désolés que le nombre ne s'augmente pas beaucoup, mais nous connaissons également la situation dans laquelle nous trouvons, le contexte dans lequel nous nous trouvons et nous comprenons que beaucoup veulent même bien, mais non pas ce courage. Aujourd'hui encore, on a l'impression que c'était hier, tu es parti. Et nous espérons, du moins que nous saurons continuer ce que tu as commencé. Tu es notre part d'influenceur, parce que nous sommes sûrs que si c'était les influenceurs qui étaient ici, tout le Cameroun serait là pour l'œuvre. Mais nous voulons te dire qu'aujourd'hui, encore, tu restes notre part d'influenceur. Merci. Ça fait des années que nous venons ici. Venez ici pour nous. Cette année, j'avais envie, nous avions envie de vous dire que rien n'a changé. Nous disons tous ces documents que vous avez produits à cette époque-là, les revendications que vous aviez, l'unification des deux Camerouns, le développement, si on peut l'appeler ainsi, la paix et la vraie résolution des problèmes du pays, du travail pour les jeunes, une certaine identité de notre nation, une bonne gouvernance et la fin, la vraie fin, colonialisme et pas le néocolonialisme dans lequel on est installé. Toutes ces choses-là sont là. Continuent de prospérer, de muter et se révèlent même d'autres manières. Papa, je suis venue pleurer encore et encore parce que rien n'a changé. Je peux dire que le Cameroun a besoin de quoi? Les Camerounais ont besoin de quoi? Et nous avons besoin que vous nous accompagnez dans le combat que nous avons envie de mener, que nous menons au quotidien. Et que nous repartons plein d'espoir parce que nous savons que la parole d'un Africain, comme on dit, ne tombe pas au sol.
et que la nôtre a été en Seigneur, afin que la puissance et la force du témoignage et du travail de ton serviteur Ruben dissipent les malentendus et que ce parti retrouve, Seigneur, sa force et sa puissance et réside dans les cœurs de tous les Camerounais. Amen. Afin que notre pays retrouve sa sérénité, sa paix, sa prospérité, et que le nom de Ruben Mugabe soit élevé au-dessus de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et la construction de l'État, surtout de la nation camerounaise. Telle est notre prière, toi qui nous pardonnes nos fautes, par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est le péché du monde, au nom de qui nous te prions, et surtout dans la vraie foi, nous croyons au seul vrai Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Accompagner bien sûr cette commémoration avec des enveloppes, le fasse de façon distincte et égale. J'insiste sur cette petite partie. Donc si vous faites à gauche, il faut faire à droite. Donc maman Marc et maman Marie, ça c'est la parole du fils Daniel Oumiobé. Et bien sûr monsieur Bahimi était là, tu confirmes? Nous a montré le chemin. Les Camerounais doivent se réveiller. Nous allons chez les autres parce qu'ils se sont sacrifiés pour faire de leur pays un paradis, que nous appelons un paradis. Donc nous avons un continent à libérer. Les Camerounais doivent se réveiller pour libérer leur pays. Notre Jésus, mon Jésus à moi, c'est Oumiobé, c'est Sankara, des hommes qui sont venus dans le monde pour libérer non seulement le Cameroun, mais l'Afrique tout entière. Elle dit,
qu'on reste soudés et que le travail est, le Cameroun est vide et qu'il a besoin de nous. Qu'on travaille durement en restant unis. Et elle dit, elle nous laisse une seule chose, c'est cette richesse-ci qui se matérialise par cette tombe et aussi par le combat de son mari. Qu'on continue ce travail-là ensemble en venant toutes, nous tous. Et quand elle a appris ce matin qu'il y a des gens qui venaient de Douala, c'est pour cela qu'une fois de plus, elle accepte de venir ici à la tombe. Elle a dit que, qu'on fasse une maison, qu'on mette une maison pour pouvoir garder les fleurs la prochaine fois. Maman Yiga. Ruben Mugnobé est le Ho Chi Minh noir, le grand homme, le saint. Nous sommes sur la tombe d'un saint. Il est mort pour nous. Dans ce qu'on a souvent appelé saint, ce sont des personnes qui ont un altruisme très élevé parce qu'ils sont très bénéfiques pour un peuple. Rassembler les enfants du Cameroun et interdire que les bases militaires françaises s'installent, c'est un grand projet. Vous voyez Assimi Goïta du côté du Mali est en train de se battre pour que les militaires français quittent. Et Oum Niobe donc très vite avait compris, il était à 400 voire 1000 ans sur les Camerounais. Il ne devait pas naître en 1913 comme il est né. Il devait naître en l'an 3000. Mais nous sommes encore en 2022. Vous voyez donc, c'est une force que le Cameroun a d'avoir des visionnaires, des avant-gardistes. Donc, celui qui est le porte-parole, porte-parole des siens, pour la vie des Camerounais, nous, chacun d'entre nous devrait immortaliser ce Oum Niobe comme les catholiques immortalisent Jésus dans leur vie. Cette activité s'est poursuivie. Ben, ce que vous observez ici, la pose de ces marbres, parce que lorsque nous avons découvert la tombe de Ruben Mugnobé, elle était encore sous le sol. Le premier projet a été de sortir sa tombe sous terre, de poser le marbre avec le parcours de la famille et de mettre les inscriptions que vous voyez là. Par la suite, nous avons organisé la venue ici d'une centaine de jeunes pour célébrer cet événement. Aujourd'hui, nous avons l'ambition de faire de ce lieu un lieu mémoriel par la construction ici même d'un mausolée à l'image de ceux construits pour d'autres héros africains et même venus d'ailleurs, pour que chaque fois que l'on pense à ce monsieur, qu'on sache où le trouver. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Quelles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici? Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est vraiment pour moi un réel plaisir, un honneur vraiment très distingué d'être ici aujourd'hui sur la tombe de notre grand visionnaire et éclaireur, notre dévancier Ruben Oum Niobe, qui est tombé ici sur les balles de l'armée française pour la cause qui était la noble cause qu'il défendait pendant toute sa vie durant, celle de la libération totale du Cameroun. En effet, j'ai pris ce combat déjà en 2017 où je m'engage dans un travail d'étude d'architecture, vu qu'en ma qualité d'architecte, je m'engage dans un travail d'étude où je travaille pour les esclaves au Cameroun, parce qu'il y a un pan de notre histoire qui s'est passé à Bimbia, où c'était un véritable comptoir des esclaves. Alors, ce projet était une première phase d'un long processus qui devait s'aboutir à un pavillon de la mémoire des nationalistes pour honorer à juste titre ces différents héros nationaux-là qui sont tombés sur les affres de l'armée française. Donc c'est dans cette démarche-là qu'il était pour moi un stress symbolique de me retrouver ici aujourd'hui. Et ça a été une expérience vraiment magnifique. Oum Niobe est très grand.
Il ne mérite même pas que je me tienne à côté de sa tombe. Mais malheureusement, comme nous sommes dans un pays de l'esbouffe, ce n'est pas le chef de l'État, Paul Biya, qui est ici pour faire la commémoration, mais ce sont les citoyens. Et nous félicitons tous ceux qui se sont déplacés. Nous félicitons toutes les jeunes filles qui donnent un sens à ce que le Cameroun remarquera comme dignité en 2023. Nous sommes au mois de septembre. Un 13, c'est une date qui doit revenir chaque année dans la vie de chaque Camerounais, comme les gens célèbrent le 25 décembre de Jésus-Christ, où on voit Papa Noël un blanc. Voici notre Papa Noël ici. Voici celui-là qui est celui-là qui nous a donné la vie. Oh, aujourd'hui, justement, trouver sa veuve encore vivante, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de vraiment fort. J'ai senti une réelle connexion. On sentait quelque chose de, comment je vais dire, de naturel, de logique, rien de forcé. Voilà, aucune coloration ethnique, tribale et tout, vraiment tout était naturel. Et puis il y avait une connexion aussi évidente qu'elle pourrait être. Donc vraiment, c'était une très très belle expérience d'avoir assisté à tout cela. Au nom du peuple camerounais qui est en train de se battre pour que le gouvernement ne fasse pas ce que nous ayons honte. Donc le peuple a commencé à faire comme ça. Bon, maintenant, ils vont également demander au gouvernement de faire la même chose. Bon, Voilà, allez les saluer, allez vers eux, leur souhaiter la bienvenue quoi. Vraiment c'est terrible. J'ai dit qu'elle ne cueille pas la presse. À ne pas manquer de respect à la mémoire de notre père de l'indépendance. Et nous sommes très contents de savoir qu'il avait une très belle femme qui s'appelle Maman Marie. Nous sommes les enfants du Cameroun, de toutes les parties du Cameroun. Il y a de la diaspora hors du Cameroun, il y a des Camerounais qui sont des étudiants, il y a des femmes. Moi par exemple, et nous venons te remercier
parce qu'il y a des Camerounais sur Internet qui rêvent que te saluer, te voir, et ils veulent que tu sois heureuse, même si ce n'est qu'une seconde, que tu puisses sourire, que tu sois contente de ce que tu as aidé, que tu avais à faire. Votre assistance, et pour ce que vous faites, et que vous êtes en train de continuer de faire, elle vous remercie tellement, elle est fière. Maman, c'était qu'un symbole, nous n'avions même pas appris ça comme il fallait. C'est Harold Ketch qui fait le transfert de ce que les enfants de la diaspora se sentent touchés par l'injustice. Où elle devait être bien encadrée avec un véhicule, avec un hôpital, pourquoi pas, comme elle est une héroïne. Parce que travailler avec un héros, c'est être héroïne également. Et surtout qu'elle était dans le maquis. Donc le peuple camerounais, le peuple de Koumyobé, te remercie en cette année 2022 en te suppliant de prendre ce petit symbole qui est 100 000 francs, comme on l'a remis également à maman, Marthe, pour que tu continues d'avoir la force. Tu continues d'avoir la force, maman Marie. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31. À Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha.